Petite beatbox du fait, c'est cadeau. Allez, c'est parti, les gars, c'est reparti pour la bagarre. Akaisatsu! Let's go! Vous avez les emotes en plus de Shibi, Akaza qui sont là. N'hésitez pas à utiliser les emotes, hein, les frères. Alors, on va faire une petite prédiction aussi, en même temps. Monsieur Pape. Mm-hmm. Je vais faire une petite prédiction. Alors, vas-y, hein. Qui va gagner le FTB? Première fois qu'on voit Akaza, du coup, dans le Grand Robin. Hein, même le vrai. Si Enmu qui est quand même très présent hein, dans le tournoi, enfin dans le round robin. Alors qu'Akaza pas vraiment, et là pour l'instant on voit pas trop comment il peut fonctionner. Il y a des attaques à distance, beaucoup de multi-coups aussi, qui peut permettre de faire beaucoup de dégâts bien évidemment. Mais Enmu qui a ce côté un petit peu zoning et surtout potentiellement une meilleure portée que Akaza. Et là malheureusement Iliaster se fait quand même bien mixer. En plus attention quand même à la garde qui va bientôt casser. Qui va bientôt casser en plus du combo. Et c'est la mort du coup. C'est la mort. Et vous avez la prédiction qui est lancée les gars. Il y a déjà 10 020 points sur Kazer Blaster VS Iliaster. Voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors apparemment les gens pensent quand même qu'il a le MU hein, qu'il a le MU avec NMU. C'est marrant ce jeu de mots. Le MU avec NMU. Let's go. 10 040 points sur Kazer Blaster. Vous avez encore le temps de parier vos points. Je vous le rappelle, là, quand vous faites des prédictions, les frères, vous mettez vos points dans la bonne réponse. Et s'il y a la bonne réponse, en fait, tous les points qu'il y aura eu, vous allez les remporter, quoi. Donc ça vous fait un paquet de points, quand même. Ah ouais. Suto, t'es un fou. En tout cas, merci les frères d'être là. Je rappelle, pas assez selon moi, mais c'est grâce à vous que nous sommes motivés à faire ce que nous faisons. Donc envoyez la max et soutenez aussi. N'oubliez pas d'aller follow la chaîne et le Twitter de Monsieur Pape qui stream aussi. Hein. Il fait pas juste que commenter, il stream aussi. Bref, en tout cas, le coup chargé. Aïe aïe aïe. On a tenté, hein, on a tenté de faire une garde parfaite sur le coup chargé. Et à la fin, la chope qui est un reset, qui est bel et bien un reset, hein, parce que le combo est affini. Ouais, ça c'est bien vu. Hein. Déjà, moitié de barre hein, pour l'instant. Kaiser qui réussit très bien à imposer son jeu et surtout son rythme. Oh, les dégâts qui vont être présents là. En plus, il a une level 3. Il pourra pas le confirmer malheureusement parce qu'il a peut-être pas assez de temps ou pas le setup pour. Et il y a Slur qui malheureusement subit, même s'il a de bonnes knives. Ouh, le casse-garde c'est bon, mais ça dégage. Nous dit Kaiser. Et si tout se passe bien, le confirmer. Bon, non, il pouvait s'extirper. Il y a Slur, c'est bien vu. On active du coup l'éveil pour gagner un petit peu de vie. Ce qui est la petite particularité des. Des démons dans Demon Slayer, mais ah, il s'est subi encore. Hein. Il se place bien en plus, hein, Kaiser. Une dernière ouverture, elle n'en parle plus. Elle est ici, c'est la chope. Bleh. Ah là 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 là. C'est pour l'instant, en tout cas, on a l'impression quand même que. Bon, on va inverser parce que du coup, ils se sont mis de côté. On a quand même l'impression que le MU est bien, bel et bien pour Monsieur Kazer Blaster. Mais attention, Iliaster est un homme. De la bagarre, Iliaster est un homme qui sait faire des TOD, et Iliaster est un homme qui peut s'adapter, n'est-ce pas? Donc, hâte de voir un peu ce qu'ils vont nous offrir. J'ai 60 points, je veux les garder. En tout cas, la prédiction, elle est terminée, mais pour l'instant, il y a quand même plus de 10 000. Hein. Il y a quand même plus de 10 000, les frères, hein, donc... voilà. En tout cas, c'est bien parti, hein, pour l'instant. Ouais, ça sent le counterpick hein, peut-être côté Iliaster. Ouais, ouais. Son Akaza n'a pas trop fait le taf pour l'instant. Donc, peut-être qu'il aura une autre team peut-être un petit peu plus forte. Un bon petit combo bien sympathique à base d'adeptes du souffle de l'eau. Hein, on les connaît, hein, la Rodo, ça permet de bien s'approcher des honneurs. On l'a vu plusieurs fois. Et contre Enmu, ça peut être très très fort en plus. Mais Enmu, ouais. Ça reste un personnage pas mal, hein, pas mal. Hein. Ça va loin, ça fait mal surtout, ce qui est pratique. Ah, justement. Les adeptes du souffle de l'eau, même Murata, let's go. Mais surtout, on aura accès à des jolies, de potentielles belles approches avec un potentiel soutien derrière pour essayer de safeiser justement cette dernière. On va voir ce que ça va donner. On y croit. J'avoue. Ah, c'est celui du feu. Ah merde, je confonds les deux. Enfin, des os, hein. Du coup, c'est la version du feu. Ok, d'accord. Ah, bon, Tanjiro de l'eau et Tanjiro du feu. Ouais, c'est vrai que c'est la version. Là, c'est la version. Ouais. Déjà moitié de part hein, pour l'instant pour Kaiser qui continue encore à bien se placer, à garder son adversaire le plus loin possible, essayer d'aller choper une toute petite ouverture. Si c'est bien vu la garde parfaite, malheureusement ça n'empêchera pas de se faire ouvrir. Mais il s'extirpe du coin. Mais waouh, les dégâts! Oh les dégâts!
Ouh, les dégâts sur cette ouverture. Oh là, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Beaucoup de dégâts qui ont été mis sur ce combo pour avoir un petit avantage à la vie. Et malheureusement, il se prendra quand même l'approche Murata qui n'a pas pu aider. Hein, il est pas trop à tête chercheuse. On active direct l'éveil côté Liaster, mais il va devoir subir les petits setups de Kaiser Blaster. Le contre vient ici et on s'extire pour éviter une potentielle mort. On a essayé de récupérer juste après, mais malheureusement on subira et on s'extire du coup du coin côté Ligaster encore une fois. Mais malheureusement, si tout se passe bien, Kaiser va pouvoir choper sa round un petit peu plus compliqué que d'habitude quand même. Hein. Parce qu'on a vu que Ligaster possède des gros combos avec énormément de dégâts. Donc faut faire attention hein, au niveau de la défense. Très très belle analyse là de Monsieur Pape. J'aime beaucoup. Franchement. Et hop là, le reset, malheureusement on n'a pas réussi à rattraper au sol là. Ça avait l'air un petit peu tight en termes de timing. Bam, les vrais dégâts sont là. Et Liaster, il a prise hein, cette team avec laquelle il me fait énormément mal. Et j'ai déjà affronté cette team, il peut faire un TOD. S'il a un bon timing, il peut faire un TOD avec. Et s'il arrive à le sortir, franchement, incroyable. Ça peut faire mal hein, on dirait hein. Ouh, les deux ont activé l'éveil. L'éveil qui est activé, ça peut donner une grosse source de dégâts. Ah non, malheureusement, il prendra des petits dégâts. On a une level 1 en plus juste derrière. Peut-être qu'on va l'utiliser pour essayer de le confier. Oh non, juste faire la fin de l'attaque. Hein, ça, c'est la particularité de l'éveil. Hein. Vous avez des combos qui font plus mal et vous avez une petite cinématique à la fin. En plus de ça, sur la fin de combo, donc c'est stylé. On s'extire du combo. Memurata, ok, on a une belle défense. On se retrouve dans le neutral. Memurata va être présent. Il faut réussir à bien le confier ce combo. Voilà, pour avoir faut le tuer, faut tuer, let's go. Allez, let's go, Liaster qui revient un petit peu, tu vois, il a réussi à confirmer, il n'y a pas eu de drop cette fois-ci. Et bon, on a quand même observé hein, que Kaiser Blaster a eu plusieurs petites ouvertures, mais le truc avec ce jeu, c'est que parfois tu anticipes les mouvements de ton adversaire, et limite tu anticipes ton propre drop en fait, et tu t'attends pas à ouvrir. C'est assez schnapp ce jeu quand même de temps en temps, surtout avec ennemi. Maté voilà, oh là par exemple le follow-up il est bon. Tu vois, il a réussi à rattraper après son ouverture. Mais il suffit d'une petite hésitation. Vu que le jeu n'est pas, voilà, vous voyez là par exemple, vu que le jeu n'est pas super fluide online pour l'instant en tout cas, tout le temps hein. Voilà, là le reset qui passe, c'était sûr. C'était totalement sûr. C'était sûr. Le petit setup qui a forcé le blockstone et blé la petite chose pour passer au travers, si c'est bien vu. Oh attention, dommage, on avait un potentiel whiff punish avec l'attaque, malheureusement c'est pas passé. Ouais, là, les déplacements sont toujours aussi bons côté Kaiser et les ouvertures derrière sont très bonnes. Le setup, non, on va juste faire expulser son adversaire. Oui, on a réussi à choper un dash avant, mais on s'en fait très facilement. Attention, non, pas de Murata cette fois-ci, hein. On a vu que Murata n'a pas trop fait de taf pour l'instant. Les dash avant qui sont encore très commit, mais pas de potentiel séphisation. Ok, l'attention à la garde quand même, il y a sort. Potentiellement pour la casser. Hein. C'est ça. Comme tu dis, ça commence à être piquant là. Ça devient un peu orangé là. Le jus d'orange. Là, c'est rouge. Attention. Et il sait ce qu'il fait, hein, Kaiser. Il attend hein, vraiment. Il veut vraiment venir casser la garde de son adversaire là. Mais de part et d'autre, faut faire attention parce que oui, on a la portée. On a la possibilité de faire des damage en plus. Et on a même la possibilité de reset. Et putain. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Oh, le reset qui était super bon. Oh, il était très très beau le reset, mais on a pu quand même s'extirper avec le soutien. Et encore une fois, on a encore un petit barreau d'honneur. Ouais, on va quand même chercher l'adversaire. Mais on s'extirpe du coup du combo. On active l'éveil pour gagner un petit. Et c'est la mort. 2-0. Et c'est la muerte. C'était pas dégueu, hein. Les matchs, c'était très stylé.